Des miraculés continuent d'être sortis des décombres du séisme qui a frappé l'Équateur samedi. Le bilan provisoire de ce tremblement de terre s'est alourdi et dépasse désormais les 400 victimes. Le président équatorien Rafael Correa estime que des années et des milliards de dollars seront nécessaires à la reconstruction, mais qu'il s'agit pour l'heure de retrouver les survivants. Nous devons être fiers de nos sauveteurs et de nos frères latino-américains qui sont venus nous aider du Venezuela, de Colombie et d'ailleurs. Les endroits où il y a des traces de vie sont la priorité. Certains se plaignent que des corps n'ont pas été évacués. C'est parce que les moyens sont alloués en priorité aux endroits où il y a encore des signes de vie. L'épicentre du tremblement de terre a eu lieu à Pedernales. La station balnéaire du Pacifique a été complètement détruite, mais les images des blessés tirés vivants des décombres continuent d'alimenter les espoirs des familles à la recherche de leurs parents portés disparus. Selon la Croix-Rouge espagnole, 100 000 personnes ont besoin d'assistance.